Match de bas de tableau entre Grenoble 16e et Nancy 20e. Il y a déjà 4 points d'écart entre les deux formations. Grenoble pourrait donc s'échapper par rapport à son adversaire du soir en cas de succès. Des Grenoblois qui restent sur 3 défaites de suite à l'extérieur, mais sur 2 victoires à domicile. Les Isérois espèrent enchaîner à la maison contre une équipe de Nancy toujours autant en difficulté. Des Nancéens qui n'ont toujours pas gagné cette saison. C'est la seule équipe dans ce cas avec Dunkerque. Grenoble est tout de suite à l'attaque. Le bon travail d'Achille Anani pour servir Yorick Ravet. 25e minute. Grenoble mène à 1-0. Deuxième but de la saison pour Yorick Ravet. Le début de match est réussi pour Grenoble. Mais Nancy réussit à réagir avec l'égalisation. Le ballon poussé au fond par William Bianda. Le poteau permet cette situation et Bianda marque le but du 1 partout à la 32e minute. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. C'est parfait pour Nancy qui reste sur 2 nuls après 3 défaites. Il y a une toute légère amélioration. Ce n'est pas suffisant mais ça va un petit peu mieux. L'égalisation d'ancienne fait du bien. Mais cette faute de Trott coûte cher. Penalty pour Grenoble. On est dans le temps additionnel de la première période. Achille Anani, passeur sur le premier but, s'élance. Mais le ballon touche le haut de la barre transversale avant de sortir. C'était une balle de 2-1 juste avant la pause. Dommage pour Grenoble. Et les Grenoblois qui perdent un petit peu pied dans la foulée de ce pénalty manqué. Dans la minute suivante, Manuel Pérez a commis une grosse faute. Il prend un carton rouge direct. Il y a donc un partout à la pause. Et Nancy joue à 11 contre 10 pendant toute la seconde période. C'est bien la chance des Lorrains de décrocher enfin une victoire. Mais Grenoble à 10 reste la formation la plus efficace. 5 minutes après le début de la seconde période, Jules Sylvestre Braque marque son premier but en Ligue 2 BKT suite à un bon service de Garbache. Grenoble reprend l'avantage et mène 2-1. Les Grenoblois qui insistent notamment sur les coups de pied arrêtés. Celui-ci est parfaitement frappé par Yorick Ravet, premier buteur de la partie. Il passe cette fois-ci la balle à Loïc Nestor à la 58e minute. 3-1. Premier but de la saison pour Nestor. Tout va bien pour Grenoble, même à 10 contre 11. Nancy est en train de laisser passer sa chance. Et les Lorrains s'effondrent. Ils essayent de réduire l'écart et se font contrer. Nouvelle action grenobloise avec Enen pour la passe et la reprise de la tête d'Hakim Abdallah à 5 minutes de la fin. Abdallah marque son premier but en Ligue 2 BKT. Fin de match parfaitement réussi pour des Grenoblois très efficaces. Nancy perd de nouveau et Grenoble continue à gagner à la maison. Victoire assez logique de Grenoble sur un score de 4-1 contre Nancy.